Il est par là, Pascal ? Pascal, il est là, justement. Ah ben, impeccable, on va aller le voir, alors. Bonjour. Ça va ? Salut Pascal. Bonjour. Est-ce qu'il faut être généreux dans ce métier ? Un peu. Ça veut dire quoi, être généreux ? Être généreux, ça veut dire, par moments, être coulant. Comprendre que le gars qui a des sérieux problèmes chez lui, on peut lui donner un coup de main à l'occasion. C'est pas plus que ça, mais rien que ça, ça compte. Faire en sorte que les gens ne viennent pas que pour prendre leur pognon, quoi. C'est pas ça, l'entreprise. Il n'y a rien de pire que le gars qui vient au boulot avec un long cul. Hein, y a pas envie de... ça veut dire qu'il n'a pas envie de venir parce que ça le fait chier. On est d'accord que c'est pas hyper glamour ici. Non, c'est pas hyper glamour, non. Tu peux habiter dans les plus beaux quartiers de la Terre, et après ? C'est pareil, c'est ce que tu vas vivre et ce que tu vas faire, et avec ceux avec qui tu vas interagir, avec qui tu vas vivre, qui va faire la différence. On va voir les bureaux. Ouais. Bienvenue. Welcome. On voulait un petit café, un truc comme ça, quand même. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut gagner la confiance des gens, tu vois. Moi, j'ai tendance à dire, j'ai plutôt tendance à donner d'abord ma confiance. Ma responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, elle passe par des indicateurs de ne pas avoir d'accident, d'avoir des bons résultats. Et la responsabilité envers les gens qui composent l'entreprise, c'est de faire en sorte qu'ils s'accomplissent. Bref, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je pense que je m'accomplis comme ça. Putain, c'est impossible de filmer ça, sérieux. Si, non, ça joue aux fléchettes de temps en temps, ouais. Plutôt le soir, ouais. Ouais, le soir après la journée de travail, en général. Ça détend l'atmosphère, ça fait partie des activités méta-opérationnelles. Je cherche dans le dictionnaire, c'est un nouveau mot, ça.